Rembobinons un peu. Qu'est-ce que ça fout là, ça? C'était au tout début de cette affaire, alors il fallait le mettre au premier épisode. On vous a raconté cette histoire dans le désordre le plus complet, ça n'a ni queue ni tête. Où est-ce qu'on vous fait commencer alors? Ah, l'enterrement du sergent Bob. Et Philippe Bastia, ce cher Phil. Je sais où tu te caches. Comme c'est amusant. Tiens d'ailleurs. La meilleure des cachettes est souvent à la vue de tous. C'est moi qui lui ai dit ça. Bonsoir. Je m'appelle Elmer McCoy et je serai votre antagoniste pour ce soir. Remontons ensemble le cours des derniers événements. Appelez-moi égocentrique, mégalomane même, si ça vous chante. Mais tout a commencé avec moi. Allô, Phil? McCoy, le sergent Bob est mort. Je dois te parler. Ouais, très bien. Viens. Viens, je t'attends. J'arrive. Merde. Là, il a fallu faire un choix. Un choix difficile. C'est le dilemme de l'agent double. À un moment ou à un autre, il faut trahir l'un des deux camps, les adorateurs de Nyx ou Serge Bobinski. Bon, écoute, Telmer, libre à toi de me faire confiance. Serge Bobinski est plus là à présent pour protéger le dossier. C'est à nous qu'incombe cette tâche. Je t'arrête tout de suite, Phil. T'as suffisamment risqué ta vie pour moi, je suis avec toi. Le sergent Bob a forcément communiqué la position du dossier à quelqu'un. Oui, à moi. Il est aux archives secrètes de la CIA. Aux archives secrètes de la CIA? La meilleure des cachettes est souvent à la vue de tous. Il me faudrait une équipe. Il reste plus grand monde. Gérard, il me semble qu'il est encore opérationnel. Il fait équipe avec Mélia, sa petite fille. Nul doute qu'ils sont déjà à la recherche du dossier alors qu'il est. Ça peut marcher. Avec trois personnes, j'ai peur que ça soit un peu juste. Il me faudrait cinq acolytes. Et toi? Je dois rester ici. Les adorateurs de Nyx préparent quelque chose. Je les garde à l'œil. Ok. C'est moi que vous voyez au fond. Second grand prêtre des adorateurs de Nyx. Ce n'est pas le rang du Big Boss, mais c'est assez pour siéger au conseil. Et qu'est-ce que j'ai dit à ce bon monsieur, à votre avis? Philippe Bastia connaît la position du dossier.
Il va essayer de se rendre à l'enterrement du sergent Bob. Attrapez-le avant qu'il n'y arrive. Quoi qu'il advienne, ne le tuez pas. Dites-moi que vous m'appelez pour me dire que vous avez attrapé Bastien. Bien. J'ai trahi Phil. Mais croyez-le ou non, j'aime bien Philippe Bastia. C'est un bon agent. D'ailleurs, vous aurez remarqué que j'ai insisté pour qu'il ne le tue pas. Mais avec ce genre de guignol, deux précautions valent mieux qu'une. Allô, Struck, vous en êtes où avec Philippe? Comment ça, il s'est échappé? Vous avez fini votre journée, donc vous êtes à l'apéro. Vous vous foutez de moi? Et Thomas Bobinski? Ah, lui aussi, il s'est échappé. Avec un robot venu du futur, une jeune fille et un octogénaire. Bah, très bien. Mais non, pas vraiment, abruti! Passez-moi Johnson. Pardon? Mais retrouvez-le! Retrouvez-les tous, imbéciles! Ce genre de petits désagréments qui viennent entraver mon opération de conquête du monde ont une fâcheuse tendance à m'irriter. Mais peu importe. Thomas Bobinski est quelqu'un de facile à faire disparaître. Pas comme les trois autres, là. Quand un ex-agent secret meurt, on arrive toujours à l'incident diplomatique. Et s'il y a bien quelque chose que l'on doit éviter, c'est que nos supérieurs à Washington viennent lorgner du côté de nos activités locales. Mais pour en revenir à mon choix, d'ici peu, je devrais recevoir la visite de Eric Erickson, grand prêtre des adorateurs d'Onyx, qui, persuadé que je travaille pour lui, vient exiger que je rende compte de mon échec. J'exige que vous me rendiez compte de votre échec, McCoy. Les trois neurones qu'il peine à aligner dans ses meilleurs jours sont en ébullition. Il pense avoir enfin une raison de m'exiler. Mon échec, monsieur Erickson. Philippe Bastien a disparu. Thomas Bobinski aussi. Nul doute qu'ils travailleront de concert. Et retrouvons le dossier avant nous. Absolument. C'est tout ce que vous avez à dire. Et ils nous mèneront au dossier, monsieur. Tout cela fait partie du plan. Qu'est-il ? Nous suivons Bob et sa bande depuis un moment déjà. Dès qu'ils retrouveront Philippe, il leur donnera la position du dossier. Et nous pourrons alors simplement nous en emparer et disposer d'eux. En somme, vous aviez tout prévu. Absolument. À l'instant où je serai en possession du dossier, je vous contacterai et vous n'aurez plus qu'à vous débarrasser de la direction de la CIA en utilisant notre position de syndicat bien établie dans l'épisode 2. Le contrôle de l'agence pris, nous aurons enfin tous les outils en main pour accueillir l'Onyx proprement. Et l'agent Johnson qui a disparu? Un mystère. Heureusement, il ne savait rien. Cela importe peu. Ce qu'on aimait souvent de vous dire, c'est que la position de futur maître du monde a parfois des airs de standardiste. Allô ? Vous voulez un virement de 200 euros pour payer une consultation de voyance ? C'est hors de question, Strike. Rentrez chez vous. Enfin, pour la dernière partie, impossible de se débarrasser d'agents secrets discrètement. Des protocoles sont en place pour garantir leur sécurité. Et nul doute que Phil, Gérard et Melia se sont assurés que cette affaire devienne publique d'une façon ou d'une autre si l'on touche à eux.
Mais si les 10 agents se décidaient, disons par hasard, à prendre des otages dans un bâtiment d'archives du service public, alors ce ne sont plus d'espions dont on se débarrasse, mais de terroristes. Et au lieu d'être condamnés pour leur meurtre, nous voilà applaudis. Me voici donc qui part de chez moi, prêt à terminer le travail. Ensuite, il ne me restera plus qu'à donner un ramassis de conneries à Erickson, le véritable dossier Bobinski, bien au chaud, ici. Une fois que les adorateurs de Nix auront pris le pouvoir, j'aurai grâce à lui tous les moyens de m'alléger de mes supérieurs. Et voilà comment, après avoir trahi Serge Bobinski, j'ai trahi les adorateurs de Nix. Le dilemme est résolu. Je suis Elmer McCoy, et parfois, les grands méchants veulent simplement conquérir le monde. Bonne soirée. Allô ? Bonjour, monsieur. Ici l'agent Hugh Johnson. J'ai un message pour vous. Un message ? De la part de Thomas Bobinski. Il voudrait vous dire que nous sommes au courant pour Mechanix. Et aimerait savoir quel punchline vous aurez qu'il sorte quand il vous tuera. One night over, gotta get it right. We got